أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهوا، الحلقة رقم 13. صباح الخير على كل طلابنا الأعزاء، صباح الخير على كل مدرسي الماس على مستوى الجمهورية اللي يتابعونا، واللي احنا كالعادة مستنيين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنو من الكمال. هيكون في ضيافتنا النهاردة في الحلقة الأستاذة هند عبد العزيز، واللي هتشرح لنا الماس باللغة الفرنسية للصف الثالث الإعدادي. صباح الخير يا مستر. صباح الخير يا مستر، اخبارك ايه؟ شرفت بحضرتك جدا النهارده. ربنا يخليك، شرفتينا. بشكر حضرتك جدا وبشكر حضرتك بالنيابه عن كل المدارس الفرنسيه ان حضرتك اول مره ان يبقى في منبر لينا ان احنا نتكلم بالمناهج الفرنسيه على المستوى. تمام، لو في عندك اي رسائل سريعه للطلبه بتاعتك قبل ما تبدا الحلقه اتس اوكي. ممكن اقول بونجور ا تو ميز ايلاف اوجوردي اون فا بريزونتي لو بروجرام دو مات ان ترويزيام بريباراتوار. لو بروجرام سي فاسيل ني با كومبليكي كوم فو ايماجيني سي تري بيان. Alors, le programme contient à peu près 5 unités. Chaque unité se compose de 2 à 4 leçons. Maintenant, on va présenter la première leçon de l'unité 1. Allez, au tableau. OK. Alors, on a aujourd'hui unité 1. C'est quoi unité 1? C'est la relation et fonction. Ça, c'est unité 1 avec nous. D'accord? Avant de commencer, je vais vous dire quelque chose très simple. C'est unité 1 n'est pas nouveau pour moi. On a déjà pris ça. Leçon 1, c'est quoi leçon 1? C'est le produit cartésien. Alors, avant d'entrer dans la leçon, on veut faire un peu de rappel ici. C'est quoi le rappel? C'est, on a déjà pris le couple. On a déjà pris le couple. Ça, c'est un couple. Il se compose de parenthèses, et on a A et B. C'est quoi A? A, c'est la première composante. Alors, A, c'est la première composante qui est présentée par l'abscisse. B se trouve ici, ça c'est la deuxième composante. Il est présenté par quoi la deuxième composante? Ça, c'est l'ordonnée. Alors, si je veux clarifier ça un peu sur le graphique, on a par exemple, ça c'est X et ça c'est Y. Si je veux écrire couple 1 avec 3, ça c'est couple 1 avec 3. Alors, c'est quoi couple 1? Se trouve où? C'est sur l'axe des abscisses. Alors, on a ici 1. Le deuxième, ça c'est 3, se trouve ici. C'est l'axe des ordonnées. 1, 2, 3, voilà notre point. 1 avec 3. Alors, faites attention, on doit respecter l'ordre entre les deux. On doit respecter l'ordre. D'accord? S'il y a 1, 3, n'est pas, c'est différent de 3 avec 1. Pourquoi? Regardez ici. Je vais présenter le point, 3 avec 1. Comment on va présenter ça? Voilà. 3 avec 1 va être ici. Alors, c'est tout à fait différent. 1, 3, mais pas du tout 3 avec 1. Je vais faire ici des notes. C'est quoi les notes? Vous avez couple, par exemple, 2
et 4. Vous avez couple 2 et 4. Et on a ensemble 2 et 4. Ce sont les mêmes? Non, ce ne sont pas les mêmes. Ça, c'est couple. On doit respecter qu'il y a ici 2 seulement, 2 nombres seulement. Mais ici, ça, c'est ensemble. On a 2 seuls et 4 seuls. Alors, 2 et 4 n'est pas du tout comme 2 et 4 ici. Alors, ce ne sont pas égales. Ça va? Quelle est la différence entre ça et ça? Ici, l'axe des abscisses, c'est 3. Et ici, l'axe des abscisses, c'est 5. Ici, l'axe des ordonnées présenté par 5. Et ici, ça, c'est le contraire. Alors, ça n'intègre pas là. Ça, c'est tout à fait différent aussi. Est-ce qu'il y a ici, dans l'ensemble, on a ensemble du vide? C'est normal. On a déjà pris qu'il y a un ensemble vide. Mais est-ce qu'il y a couple vide? Non du tout, il n'y a pas couple vide. Il n'y a pas couple vide. Ça va? On va faire l'égalité entre deux couples. Entre x et y. On veut trouver la valeur de x et la valeur de y. Si on a x 4 égale 5y. Alors, ça, ce sont égaux, n'est-ce pas? Alors, x c'est égal à 5 et y c'est égal à 4. X est égal à 5, y est égal à 4. Ça, c'est très facile. Bien sûr, ça, c'est très facile. Mais on veut quelque chose de plus compliqué. Si je prends x au carré moins 1 maintenant, on a x au carré moins 1 est égal à 8. Y au carré égale à 9. On va prendre ça comme équation. On a déjà pris l'équation. Alors, comment on va prendre ça comme équation? On va faire l'égalité. On a x au carré moins 1 est égal à 8. X au carré moins 1 est égal à 8. Le premier est égal au premier. Deuxième est égal au deuxième. Ici, on a x au carré moins 1 est égal à 8. Cela veut dire quoi? Le moins 1 va aller à l'autre côté. Alors, on a x au carré est égal à 9. X au carré est égal à 9. On va faire la racine de x au carré. Alors, x égale racine 9. Faites attention, puisqu'il y a puissance, alors on doit écrire quoi? Plus et moins. N'oublie pas qu'il y a plus et moins ici, positive et négative. X est égal plus ou moins racine 9. Alors, la réponse, c'est plus ou moins 3. Plus ou moins 3. Allez à l'autre partie. Y au carré égale 9. Y au carré, ici, est égal à 9. Alors, c'est quoi ça? C'est simplement y est égal à racine 9. Alors, est égal plus ou moins 3 aussi. Si on a couple 3 et 3, d'accord? On va prendre un peu. On va retourner ici un peu pour écrire quelque chose. Alors, le produit cartésien,
Maintenant, on va entrer dans le produit. Qu'est-ce que ça veut dire produit? Ça, c'est multiplication. Produit, c'est multiplication. Et qu'est-ce que ça veut dire cartésien? C'est le savant René Descartes. Ça, c'est le savant qui a inventé tout ça. Ça, c'est le savant René Descartes. Il a dit quoi, René Descartes? Il a dit, si on veut faire multiplication entre deux ensembles, x et y, simplement on va faire comme ça. Faites attention à ce qu'on va dire. On va prendre le premier avec le premier. Même chose, premier avec deuxième. Premier avec troisième. Alors, la multiplication entre x multiplié par y est égal à. On va ouvrir l'accolade. On va mettre ici des ensembles. D'accord? Alors, x fois y veut dire quoi? On a 2 avec 4. Voilà, ça c'est le premier point avec nous. On a 2 avec 5. Ça c'est le deuxième point. Voilà, 2 avec 5. Et on a 2 avec 6. Maintenant, on a pris le premier avec tout ça. Le premier, on l'a pris avec tout ce qui se trouve ici dans le deuxième ensemble. On va continuer. Voilà, on a le 3. Qu'est-ce qu'on va faire avec le 3? On va le faire aussi, même chose. Premier avec premier, deuxième avec deuxième, deuxième avec troisième. Alors, on a 3, 4, 3 et 5, et on a 3 et 6. Alors, maintenant, on va fermer l'accolade. Alors, l'accolade contient combien de points? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 4, 3, 5 et 3, 6. Ça, c'est quoi? X fois Y. X multiplié par Y. On va comparer si on fait y fois x. Y fois x va être la même chose, oui ou non? C'est là ce qu'on va faire maintenant. Ici, on a pris x fois y. Donc ça, ça c'est la réponse. Maintenant, on va faire le contraire. Y fois x. Y fois x veut dire quoi? Qu'on va commencer par le deuxième ensemble. On va commencer par l'y. Alors, c'est le 4 qui va venir avec 2 et le 4 qui va venir avec 3. Alors, 4, 2, 4, 3. 4 avec 2 et 4 avec 3. On va continuer. 5 avec 2 et 5 avec 3. 5, 2 et 5, 3. C'est fini? Non, du tout, n'est pas fini. On a aussi le nombre 6. Alors, on va continuer. 6 avec 2 et 6 avec 3. 3. Alors, si on veut comparer entre x fois y et y fois x, ce sont les mêmes? Non. Le point ici, c'est tout à fait différent de le point qui se trouve ici. Le point ici, ce n'est pas le même point qui se trouve ici. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que x fois y n'est pas du tout y fois x. Parce qu'on doit respecter l'ordre. X fois y n'est pas du tout y fois x. Regardez ici, dans l'ensemble x, on a combien de nombres? On a 2. Alors, nombre de cartes ici, ce sont 2. Il y a 2 nombres de cartes. Mais ici, avec y, il y a combien? 1, 2, 3. Cartes ici.
ce sont 3. Ici, c'est 2, ici, c'est 3. Alors, si je veux savoir quart de x est égal à 2, d'accord? Mais 4y est égal à 3. On va faire maintenant la multiplication entre quart de x et quart y. Carte X fois carte Y. On a ici 2, simplement. On a ici 3, se trouve là-bas. Alors, 2 fois 3 va donner 6 cartes. Alors, il y a ici 6 cartes. Retournez ici. S'il y a x fois y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est juste. S'il y a y fois x, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est juste aussi. Alors, l'ordre ici n'est pas important. Cela veut dire quoi? Que dans la carte x fois y, c'est la même chose qu'en carte y fois x. Carte x fois y, c'est la même chose comme carte y fois x. Pas de différence. On va prendre ici, on retourne ici pour prendre un petit exemple. Si on a x est égal à alors, on veut présenter x au carré. On veut présenter x au carré. C'est quoi x au carré? C'est x fois x. Alors, l'ensemble ici va être répété 2 fois. L'ensemble ici va être répété 2 fois. Cela veut dire quoi? Qu'on va prendre 5 et 6 fois 5 et 6. Faites attention, ça c'est ensemble. Alors, on doit faire la collade. Maintenant, on va faire 5 fois 5, 5 fois 6, 6 fois 5 et 6 fois 6. Alors, 5, 5, 5 et 6, 6 et 5 et 6 et 6. On peut avoir nombre répété dans le couple? Oui, bien sûr, on peut avoir couple répété. Deux chiffres répétés, voilà, deux chiffres répétés. Mais si c'est un ensemble, on ne peut pas avoir ça. Le savant René Descartes nous a dit qu'on peut représenter ça sur deux façons, ou par deux façons. Alors, on va prendre la représentation. On va présenter ce qu'on a déjà dit, on va faire représentation. C'est quoi représentation? On a deux façons de représenter. On a diagramme sagittal et on a ici diagramme cartésien. Diagramme sagittal et diagramme cartésien. Comment on va présenter ça? On va prendre l'exemple ce qu'on a déjà fait ici. On a x, 2 et 3, y, 4, 5 et 6. Simplement, on va présenter x. On a ici 2, le point 2 et 3.
Et ici, on a Y présenté par 4, 5 et 6. 4 et 5 et 6. Diagramme sagittal nous dit quoi? On doit faire flèche qui sort de 2 pour arriver à 4. Sort de 2 pour arriver à 4. Alors, on va sortir comme ça, flèche de 2 jusqu'à 4. On a aussi 2 jusqu'à 5. À chaque fois qu'on prend le premier composant, on doit avoir un de deuxième ensemble. Et 2 avec 6. Faites attention, tout ça c'est avec les flèches. Flèche sort de 2 jusqu'à 4, de 2 jusqu'à 5 et de 2 jusqu'à 6. Maintenant on a fini le premier point. Deuxième, 3 avec 4, 3 avec 5 et 3 avec 6. Ça, c'est le diagramme sagittal. Si on veut faire diagramme sagittal, on doit le faire comme ça. Ça, c'est X et ça, c'est Y. Allez au diagramme cartésien. Diagramme cartésien, c'est comme on fait sur le graphe. On va dessiner simplement notre graphe. Ça, c'est 1, ça, c'est 2, et 3, et 4, tout simplement. Et ici, on va écrire 1, 2, et 3, et 4. On a ici quoi? 2 va avec 4. Regardez ici. Alors, le 2, l'ordre des abscisses, va monter avec Y, ordre nos ordonnées. Alors, 2 avec 4. 2 va monter jusqu'à 4. 2 avec 4, on va écrire ici 2 et 4. Voilà, 2 avec 4. Deuxième, 2 avec 5. Alors, tout simplement, on a besoin ici d'ajouter 5. Avec 5. 2 avec 5. Voilà le point 2, monte jusqu'à 5, etc. On veut prendre maintenant 3. 3 va aller avec qui? Avec 4. 3 va aller avec 4. Voilà le point 3 jusqu'à ici. On doit avoir 3 avec 4. Et puis 3 avec 5. Avec 5. Voilà le point 3 avec 5. Maintenant, diagramme sagittal, on doit respecter les flèches. Dans le diagramme cartésien, on doit respecter l'ordre ici. D'accord? On va retourner autre fois ici pour clarifier quelque chose. Si on a X fois ensemble vide. X ensemble vide fois X. Regardez, X fois ensemble vide et ensemble vide fois X. Est-ce que sont égaux? Oui ou non? X fois ensemble vide, c'est rien. Même chose ici, c'est rien fois X. Alors dans ce cas, ce sont égaux. Dans ce cas, x fois l'ensemble vide est égal à l'ensemble vide fois x. Faites attention, parce que ça se trouve dans les examens, bien dans l'examen. X fois l'ensemble vide égale à l'ensemble vide fois x, oui ou non. Deuxième, ensemble. Ce sont des remarques. Si tu as l'ensemble 2 et 4, et l'ensemble 4 et 2, ce sont égales, oui ou non? 2 et 4, 4 et 2. Ici, puisque ça c'est ensemble, alors c'est oui.
puisque ce sont des ensembles, alors c'est oui. Si je dis que le couple A et B appartient si je dis que le couple A et B appartient X fois Y. Le couple A et B appartient X fois Y. Faites attention de ça. Couple A et B appartient X fois Y. Cela veut dire quoi? Que le couple A, la première composante ici A, se trouve dans X. Et le deuxième se trouve dans Y. Une autre fois, si je veux dire A et B, couple, appartient X fois Y, cela veut dire quoi? Que A appartient X, B appartient Y. D'accord? On va faire un petit exercice sur ce qu'on a bien de prendre. X, 2 et 3, Y, 4, Z, 5 et 6. Premièrement, je veux savoir card de X. Card de X. Qu'est-ce que ça veut dire card de X? On vient de dire ce sont les nombres. Combien de nombres ici? 103. Alors, card de X est égal à deux nombres, 1 et 2. Card de Y égale. Il y a combien de cartes ici? Un seul carte. Allez, carte Z, on a aussi deux. Ça va? On va faire un peu de rappel sur union, inter, union et moins. Inter veut dire ce qui est commun entre les deux. Est-ce qu'il y a quelque chose commun entre les deux ensemble? Non. Ici, x, il y a 2 et 3, y égale 4, et z égale 5 et 6. Si je veux représenter ça comme diagramme de Venn, on va le présenter comme ça, chacun seul. Qu'est-ce que ça veut dire chacun seul? Il n'y a pas quelque chose de commun entre les trois. Voilà, ça c'est x, ça c'est y, et ça c'est z. Dans x, il y a 2 et 3. Voilà 2, et voilà 3. Ce sont les deux points. Dans Y, il y a seulement 4. Voilà, 4. Et dans Z, on a 5 et 6. Alors, voilà 5 et voilà 6. Allez ici, on veut l'inter. Si je veux l'intersection entre X et Y, il n'y a rien qu'on veut entre les deux. Alors, X inter Y égale l'ensemble vide. On peut l'écrire comme ça et comme ça. On sait ça déjà. Union, je veux union entre Y et Z. Qu'est-ce que ça veut dire union? Tout ce qui se trouve ici. Union, c'est tout ce qui se trouve ici. Union entre Y et Z. Voilà Y et voilà Z. 4, 5 et 6. Alors ça c'est l'union. L'union entre Y et Z, alors tout ce qui se trouve dans Y avec ce qui se trouve dans Z. 4, 5 et 6. Moins. On doit savoir que Z moins Y n'égale pas Y moins Z. Pourquoi? Pourquoi Z moins Y n'est pas la même chose comme Y moins Z? Z moins Y veut dire quoi? Ce qui se trouve seulement dans Z. Z moins Y, ce que se trouve seulement dans Z. Allez là-bas ici.
z moins y. Alors, ce qui se trouve ici seulement, c'est 5 et 6. Alors, ce qui se trouve ici, c'est 5 et 6. Allez, dans l'autre partie, y moins z. Cela veut dire que ce qui se trouve dans y seulement, faites attention, moins ici veut dire ce qui se trouve dans le premier terme seulement. Y moins z. Y moins z. C'est bon? C'est 4. Alors, si je veux y moins z, c'est 4. Alors, pourquoi on a fait un appel sur ça? Parce qu'on va utiliser ça avec ce qu'on a pris pour le produit cartésien. On va utiliser ça, on va jouer avec ça dans le produit cartésien. Allez là-bas, on va jouer avec ça ici dans le produit cartésien. Comment on va faire ça? Par exemple, on a x inter y, x inter y fois y union z. Voilà. X inter y fois y union z. Regardez ici, on a déjà pris x inter y. La réponse, c'est quoi? L'ensemble est vide. Alors, ça dans l'ensemble vide. Y union z. Allez, ici, on va voir. Voilà, y union z. Dans 4 et 5 et 6. 4, 5 et 6. Alors, ensemble est vide fois ensemble donne même chose. Ensemble est vide fois 4 et 5 et 6 donne 4 et 5 et 6. Parce que ça, c'est rien. Il n'y a rien ici. Alors, ensemble est vide fois l'ensemble 4, 5 et 6 donne la réponse 4 et 5 et 6. Allez, si je veux faire la même chose ici, z moins y fois y moins z. On a déjà trouvé là-bas z moins y. Z moins y donne combien? Donne 5 et 6. Fois y moins z donne 4. Maintenant, on a deux ensembles et entre les deux ensembles, il y a le symbole de fois. Alors, on va faire simplement 5, 4. On va faire ouvrir l'accolade. Faites attention, on doit ouvrir l'accolade avant de mettre les points. 5 avec 4. 5 et 6 avec 4. Ferme l'accolade. Respectez. Ouvrez l'accolade. Mettre le point, virgule, l'autre point et ferme l'accolade pour avoir ensemble. Alors, 5 et 6 fois 4 ici. On va prendre le dernier. X moins y au carré. Où est x? Voilà, x moins y. X moins y. Alors, 2 et 3. Ce qui se trouve dans x ne se trouve pas dans y. 2 et 3. On va faire ça au carré. Ça veut dire quoi ça au carré? 2 et 3. Multiplié par 2 et 3. Maintenant, on va faire la même chose, le produit entre les deux ensembles. Faites attention, parce que l'ordre, ça diffère ici. On doit avoir 2 avec 2
et puis 2 avec 3, 3 avec 2 et 3 avec 3. Ferme la collade. Ça va? Alors, ça, c'est une révision entre intersection, union et la soustraction moins. De plus, on a ajouté le produit cartésien. On va retourner ici un peu pour dire quelque chose. On va changer un peu. Alors, si j'ai dit que A égale 2, B égale 4. On va écrire ici A est égal à 2 et B est égal à 4. Cela veut dire que 2, c'est la réponse de x et 4, ça c'est la réponse de y. De x, c'est la même chose, et 4 est égal à y. On va prendre simplement notre exercice. Pour bien pratiquer ça, on doit pratiquer tout à fait. Après chaque leçon, on doit faire des pratiques, on doit faire des exercices pour bien comprendre la leçon. Regardez ici. On a x au cube moins 5 et 8, 3, 3y moins 7. On va faire ça, x au cube moins 5 est égal à 3. Simplement, x au cube moins 5 est égal à 3. Alors, x au cube égale 3 plus 5. Alors, x au cube est égal à 8. Alors, x au cube est égal à 8, c'est quoi? Alors, x égale racine cubique de 8, alors c'est égal à 2. On va finir. Alors, on va prendre ça, même chose. 3y moins 7 est égal à 8. Moins 7 va aller à l'autre côté. Alors, 3y est égal à 8 plus 7. Alors, 3y est égal à 15. Et à la fin, y égale 15 sur 3 donne 5. Voilà la réponse ici et voilà la réponse là. D'accord? To be continued. On va ici prendre un petit exercice qui vient dans l'examen. C'est quoi le petit exercice qui vient dans l'examen? Si je veux dire x égale 4 et 5. Ça va? Alors, je veux 4 et 5, diagramme sagittal. X au carré égale. Tout simplement,
Quand je trouve le mot sagittal, je vais le faire comme ça. X est répété deux fois. X et X. 4 et 5. Voilà, pour bien voir. Alors, X, 4 et 5. Un autre X, c'est 4 et 5. Mais on dit que ça, ce n'est pas bien. Alors, on a fait quelque chose. Une autre chose, c'est plus clair. Voilà, groupe. Ça, c'est 4 et ça, c'est 5. Ça, c'est groupe X et ça, c'est groupe Y. Le 4 va aller au 5 avec une flèche. Et le 5 va retourner au 4 avec une autre flèche. Alors, 4 va aller au 5 avec flèche et 5 va retourner à 4 avec flèche. Et aussi, le 4 va être répété 4 et 4 et le 5 va être répété 5 et 5. Alors, ici, on a deux façons. La façon normale qu'on fait comme ça. Mais puisque ce sont les mêmes ensemble, alors on préfère de le faire comme ça. D'accord? On a ici X et X. Alors, on va les répéter. Puisqu'on peut répéter ça, alors on va le faire comme ça. Groupe X et groupe Y. Allez, ici, c'est simplement 4 avec 4. 4 avec 5. 5 avec 4 et 5 avec 5. Si je vous dis, je veux carte de x au carré. Il y a 2 ici. Alors, c'est 2 puissance 2 donne 4. Si je dis que carte X fois card Y égale 8. Faites attention de ça. Si j'ai deux card X fois card Y est égal à 8. Je vais trouver card Y. On a ici combien card X? Il y a ici card X, on a deux card X. Fois carte Y, c'est l'inconnu. On veut trouver ça. Carte Y va donner combien? Va donner 8. Alors, carte X maintenant va donner 8 divisé par 2 donne 4. Alors, le carte des Y donne 4. À chaque fois dans le carte, on ne respecte pas les ordres. Ça va. Mais si on a X ensemble, on doit les respecter. Mais dans le cadre, on ne respecte pas l'ordre. Je veux clarifier un autre point, parce que ça se trouve bien toujours dans les examens. Alors, j'aime bien le clarifier. Regardez, x au carré moins 2, 2y, y, racine cubique de 64. Si on prend le premier avec le premier, on va trouver deux inconnus. Alors, ça va être le dernier avec nous. On peut continuer ça la prochaine fois ensemble pour savoir comment on va trouver les Y et les X. Et merci à vous, mes élèves. Ça va? OK, have a seat. أحسنتي أستاذة شيماء. حلقة موفقة إن شاء الله. ولو في عندك أي رسائل سريعة للطلبة بتاعتك أو لو في أي تغيرات بالنسبة للمنهج أو مواصفات الامتحان بالنسبة للسنة الجديدة مع الطلبة بتاعتك. Le programme n'est pas changé, c'est la même chose. On n'a pas changé le programme. Et faites attention, le troisième préparatoire n'est pas compliqué, n'est pas difficile comme vous imaginez. C'est très facile. Mais seulement, on doit faire beaucoup d'exercices
pour avoir les plus bons résultats. Merci à vous. شرفتينا Merci, ونتمنى نشوفك إن شاء الله في حلقات قادمة إن شاء الله وبالتوفيق لكل طلابنا الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.